Salut, salut, salut les filles. Bonjour Kat, bonjour Nathalie. Coucou. J'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche pour faire le renforcement musculaire cuisses, abdos, fesses, triceps. Vous avez été chercher votre tapis? Bonsoir tout le monde, merci d'être présent. Non, c'est pas la danse, Kad. C'était hier soir la danse. Hier soir. Là, on va travailler les muscles. Désolée, hein, c'est pas la danse. Bonjour Muriel, bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme. Je vais peut-être baisser un peu la musique. Ouais, c'est bien, t'as toujours la forme, c'est cool. moi aussi, j'ai toujours la forme. Moi aussi. Je baisse un peu la musique. Voilà. Allez, il est 18h bientôt, on va bientôt commencer. Valérie, bonjour Valérie. Et t'es déjà musclée, c'est super. Tant mieux pour toi. Non, la danse, c'était hier soir. On a dansé le Madison. Donc j'espère que tout le monde est en forme, que vous êtes en bonne santé, que vous avez le moral pour travailler ce cours. Bonjour Morio, j'espère que c'est bien ton prénom. Voilà. On va faire l'échauffement. Oui, ça, t'as vu, hein? C'est cool, hein? T'as vu, j'ai des rideaux maintenant. J'ai des rideaux. Eh oui, les travaux, ça avance tout doucement. La peinture est faite et il y a les rideaux maintenant. Ça habille, hein? C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ça fait des plus belles vidéos, hein, c'est sûr. On va faire l'échauffement. Allez, c'est parti. Je mets la musique un peu plus fort pour vous échauffer. Allez, c'est parti. Allez. On plie les jambes. Allez, on s'écoule. Et on rajoute les bras. Est-ce que tout le monde me voit bien? C'est OK? Vous voyez bien les pieds? J'espère que vous voyez bien les pieds. Elle pète la forme, oui, super, oui. Patrice, Pap Nyang, ok. Vous êtes fidèles au rendez-vous, c'est cool. On tourne. Tourne. Ok. Ça donne envie de danser, hein?
tête. Encore. Devant. Pieds flex, talon. Pointe, pointe devant. Bras et jambes, opposition. Souffle. Un petit peu plus vite. Si vous avez du mal à me voir, vous me dites, hein. Si vous ne voyez pas les pieds. Encore. C'est la jambe qui se lève. Encore. Encore. Continue. Monique. Allez, Monique. On s'échauffe. Deux à gauche, deux à droite. Bras tendu, tonique. Continue. Tout le monde me voit. Michel, Christelle. Coucou les filles. Bonjour tout le monde. Ça vous dit quelque chose cette musique-là? On fera les épaules aussi. Tonique. Bras tendus. Croche. Pieds joints. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Global, continue. Ici, descend et je remonte, ok. On s'occupe plus des jambes, sauf si vous avez du mal avec les bras, vous faites que les jambes, ok. On fait que les jambes si on a du mal. Et on se concentre sur la respiration, on écoute la musique. Salut Nathalie! Envoyez-moi la confirmation que tout se passe bien de votre côté chez vous, que vous arrivez bien à voir les pieds. On respire, on souffle. Encore. On sort les fesses, on descend. Changer. Nico, Ginette, coucou Ginette. Ouais, c'est bien, super. Merci Ginette de ton commentaire. Merci. À gauche ou à droite. On reste au milieu.
Le parallèle. On reste sur un côté. Attention, mettez pas le poids du corps ici. On reste en face. Et je plie la jambe. Ok. On accentue les tirs, le travail sur l'adducteur. Changer. Change. Change. On met les pieds en ouverture. Les pieds en ouverture. On rapproche un peu les jambes. On plie, on tend. On plie, on tend. On plie, on tend. On reste en bas, on reste en bas, petit, petit, les genoux en ouverture. Rapide. Rapide, on descend les fesses. On tourne. Descends le dos. Descends le dos. Encore. Respirez. Encore une. Ça fait 40. En face. Les deux pieds parallèles. Relâche. On tourne. On respire. Position en face. On ramène les jambes. Je plie parallèle les genoux. Je vais d'abord regarder si tout se passe bien dans les commentaires. Coucou Jean-Brice, Nico. Ok, vous voyez bien les pieds, c'est bon? D'accord. Pieds parallèles. Souffle. Plie. Les pieds.
Ça brûle. Petit, petit. Petit, petit, petit. On bouge plus, statique. On respire. Il y a le chat qui sort à côté, hein. On remonte. On bascule le bassin, on décambre le bas du dos. Ok. On va prendre le tapis. Allez chercher votre tapis. Allez chercher votre tapis. Buvez un coup. À votre santé. Salut Vincent. Allez, on va chercher le tapis. Si je suis comme ça, que vous voyez correctement le corps. Je vais laisser la musique. Je vais baisser la musique parce que maintenant je vais parler un peu plus pour les consignes. Est-ce que tout le monde a vu quand je suis allongée par terre au sol, vous voyez bien le tapis et les mouvements? Je vais peut-être reculer un petit chouille. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par le gainage. Sur les coudes. On bascule le bassin. On décambre le bas du dos. On respire. Respirez, serrez le ventre. Ah, j'ai pas enlevé la petite cloche. Désolée, il faut que j'enlève la petite cloche. Bonjour Christophe. Tu vois pas mes pieds? Ah mince, 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 mince. Yes, c'est embêtant. Attends, on voit le tapis, mais pas les pieds, d'accord. Ok. Donc il faut que je me... Ok, d'accord, je me rapproche du Bouddha, d'accord. Yes. Soufflez. Respire. On relâche. On relâche. On va refaire une petite série. C'est ok maintenant, c'est bon. Ça doit être bon, je pense, hein. Il faut toujours régler, hein, parce que c'est pas évident. La pièce est petite, c'est pour ça en fait. On refait une série encore pour les abdominaux de gainage. On refait encore une petite série, je compte dans ma tête. Hop là.
On décombre le bas du dos, je serre les fesses, je contracte mes abdominaux et je respire. Ok, on relâche. Pour le gainage, c'est bon. On va continuer les abdominaux. On va croiser les jambes, on croise les pieds et les chevilles et on va tirer sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et la dernière série, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je relâche, on repose, on va plier les jambes. On va descendre les deux genoux à droite. Voilà. Donc du coup, vous êtes sur une fesse, c'est tout à fait normal. Vous avez le côté gauche qui est sur le bas du dos qui est surélevé. Par contre, on va faire des relevés buste en face pour étirer le muscle ici au niveau de l'aine, au niveau de la taille, pour bien solliciter cette partie-là. Ok. Donc, sans tirer sur la nuque, on inspire, on souffle. On ne bouge pas la nuque, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche, je vais sentir, ça tire au niveau de la hanche, le muscle qui se rattache à la hanche, à l'osciliaque, le psoasciliaque. On revient doucement, voilà, et on va changer de côté, inspire, souffle, hop. Hop là, je me rapproche un petit peu vers vous. Ici, je tiens sur la fesse, d'accord?
Et on va travailler maintenant toute cette partie-là. On inspire, on souffle, c'est parti, c'est parti. Un. Sans tirer sur la nuque ne bouge pas. Je monte en soufflant. 3. 4, j'inspire quand je descends. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, encore une. On souffle. 2, c'est bientôt, tiens le coup, tiens le coup. 3, c'est bientôt fini. 4. 5. Encore 5. 1. 2. 3. 4. Et 5. Et je relâche. Relâchez. Hop là. Coucou Marianne. Ok. J'espère que ça va pour vous. Il ne faut pas tirer sur la nuque. On essaye de travailler qu'avec la force du ventre pour relever le buste. Ok. On continue pour les abdominaux. Sur la cuisse droite et vous allez mettre votre bras gauche au sol en croix. Voilà, on inspire, on monte. Quand vous montez, vous mettez votre épaule droite vers le genou en diagonale, d'accord? On souffle, on inspire, on souffle, on inspire, d'accord? C'est pas le coude. Ce n'est pas le coude, c'est l'épaule. On souffle, on inspire, on monte en diagonale. Inspirez, soufflez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, encore 10, vous voyez, ma nuque, elle ne bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5, encore 5, 1, 2, 3, 4, on va rester en haut, on ne bouge plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, encore 10, pardon, on contracte les abdos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche, on relâche, on change de côté, le bras en croix au sol, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8, soufflez en montant. 9, contractez les abdos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste en haut, on ne bouge plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. Relâchez. Ok, ça va aller. On continue. On va continuer les abdominaux. Maintenant, on va travailler le bas du ventre. Le bas du ventre en levant les fesses. Quand vous levez les fesses, vous contractez les abdos et vous soufflez. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Vous pouvez relever la tête aussi en statique. Pour continuer de travailler le haut des abdominaux, les transverses, les grands droits, pardon, les grands droits ici, en statique. Si vous avez mal à la nuque, je vous conseille de poser la tête au sol. C'est parti. Ok. On lève les fesses, on souffle, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, serrez bien le bas du ventre, 7, 8, 9, 10, encore, 2, 3, on fait ce qu'on peut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 10 pour finir. 1, vous devez sentir, ça commence à brûler le bas du ventre. C'est bon signe. 3, 4, 5, allez, encore 5, on tient le coup là cette fois-ci, on tient, 2, 3, 4, et 5, on relâche, on relâche. On récupère. Nico, c'est le... Salut Nico. Bisous, bisous, bisous. Je surveille l'heure, moi. Ok. On continue. Thank you.
On plie, on tend, on inspire, on souffle. Vous serrez bien le bas du ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière série. 2, 3, 4, 5, encore 5, allez on tient, on tient, on serre le ventre, on souffle quand on lève les jambes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste en haut, on croise les jambes mais aussi les cuisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous devez sentir le bas du ventre. 7, 8, 9, 10 encore. Ça fait mal ou pas? Est-ce que ça fait mal? 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. C'est la dernière série. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. J'arrête de faire du clown. Récupérez. Hop là. Ok, tout va bien apparemment. Je bois un coup si vous permettez. On fait les fesses sur le côté. Tout à l'heure, je vais me relever et vous allez me dire si vous voyez correctement. Donc, on est sur le côté. À genoux, remontez vers la poitrine pour protéger le bas du dos. Ensuite, la jambe sur le côté. Alors, attention, parce que quand on force et qu'on a du mal, on a tendance à ouvrir la jambe. Non, 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 non. On ferme la jambe. Ici, on doit être ici. Sur le côté, la pointe de pied vers le sol et le talon au plafond. Inspire, souffle, inspire, souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reste en haut, attention, on ne bouge plus, on est statique, toujours la pointe du pied vers le sol, on ne tourne pas la jambe. On est sur le côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, sans bouger la cuisse. Talon fesse, je tends, je plie, je tends. On ne bouge pas la cuisse. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. 3, 4, 5, 6, 7. On doit sentir que ça commence à travailler sérieux, sérieux, hein, d'accord. 9, 10, encore 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche 2 secondes, c'est pour que vous me disiez en commentaire si vous voyez bien le corps en entier, si c'est correct pour vous. Est-ce que vous voyez bien le mouvement correctement? Ok, super Nat, merci. Super. On reprend la même position. Vous n'avez pas bougé. Hop, voilà. On rapproche les deux genoux vers la poitrine. On peut se mettre un peu plus par là. Voilà. On ouvre. Quand vous fermez, vous ne posez pas le genou contre l'autre genou. Il remonte aussitôt. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Et là, vous allez sentir la fesse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. Souffle, souffle. Pensez à votre ventre aussi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la dernière, ça fera 30. 2, 3, 4, 5. Encore 5. 4, 3, 2, 1, je reste en haut, je ne bouge plus, on contracte la fesse, on contracte les abdos, je respire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, attention, je ne mets pas la jambe sur le côté, je mets la jambe devant moi, ça fait un angle droit, là c'est mortel pour les fesses, je peux vous assurer, vous pouvez, vous êtes obligé de sentir le fessier. 1, 2, point du pied au sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ne bouge pas la cuisse. Talon fesse. Je retends devant en angle droit. En face de moi, je mets ma jambe. 2, inspirez, soufflez. Ne trichez pas, ne trichez pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, béton. 10, encore 10. 1, 2, 3, 4. 5, encore 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Vous avez le droit de relâcher. Vous pouvez tapoter la fesse si vous avez envie pour bien détendre le muscle. Voilà. Vous avez senti la fesse? Ok. Je vais regarder les commentaires s'il y en a.
Karim, bonjour Karim. On va faire l'autre côté, récupérer un petit peu. Et on va faire l'autre côté maintenant. Faites attention de bien écouter les consignes. Quand c'est trop dur pour vous, vous arrêtez quelques secondes, vous récupérez et vous recommencez. Mais il faut faire le mouvement correctement, ok? On change de côté. Voilà. Tac. Allez. La jambe sur le côté et pas en ouverture. On est vraiment sur le côté. Quand on est bien sur le côté, on a la possibilité de mettre les deux coudes au sol. Okay. Et là, vous êtes sûr que vous n'êtes pas sur, que vous êtes sur le côté, que vous ne trichez pas. Ok. C'est parti. Pointe du pied au sol, talon plafond. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez bien ma jambe. 10 encore. 1, 2, il n'y a plus de musique, zut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On reste en haut statique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, pointe de pied vers le sol, talon au plafond, on contracte les abdos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on ne bouge pas la cuisse, talon fesse, voilà, je vous avance un peu, talon fesse sans bouger la cuisse elle reste en ouverture vers le haut, 2, souffle, inspire, souffle, inspire, 3, 4, 5, 6, 7. On va continuer sans musique parce que si je me relève, vous allez pouvoir, ça va vous faire trop de séries et on ne va plus savoir. Donc je compte avec vous. Encore une série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous sentez que vous travaillez aussi au niveau de la taille, les transverses. On descend, on remonte les deux genoux. Ça fait un angle droit. Vous êtes d'accord? Attention quand vous allez mettre la jambe devant. On ne triche pas. On met la jambe devant, on ne met pas la jambe ni sur le côté, on est bien, hop, un maximum en face de soi, la pointe de pied au sol, talon au plafond, 1, 2, et je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore une, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, talon fesses, je souffle, j'inspire, on essaye de garder la jambe tendue pour être bien devant, la pointe du pied au sol et ma cuisse ne bouge pas. D'accord? Je ne pose pas le genou sur l'autre genou. 4, 5, oui je sais, j'en ai fait plus, je sais, je sais, je sais, je sais, quand je parle, on en fait beaucoup plus. 7, 8, 9, 10, encore 10, et 1, 2, 3, 4. On commence à bien sentir la fesse et les ischios. 6, 7, 8,
9, 10, et la dernière série, 10, 1, on tient, 2, c'est la dernière, on tient, 3, 4, 5, 6, là c'est mortel pour les fesses, hein, 8, 9, et 10, et je relâche, je tapote, ça fait du bien, tapoter, pas tapoter, je tapote, je respire, je récupère, on travaille les cuisses, le gainage, les fesses, les abdos, ok, alors, on récupère, maintenant je pense que ça va être l'heure des étirements. Je vérifie l'heure. Coucou Juju. Alors maintenant il est moins 5, bientôt on va s'étirer. Donc ben, je laisse comme ça sans musique pour changer, ça changera. On va s'étirer d'abord les fesses, puisqu'on vient de faire les fesses. Allez, hop. Okay. On croise les cuisses. Je vais faire ce côté-là pour que vous voyez. La pointe de pied, vous la ramenez vers vous. Quand vous ramenez la pointe de pied, vous sentez un peu plus l'étirement de la fesse. On pose la tête au sol. On fait menton-poitrine pour étirer la nuque. Et je respire. On se concentre sur la respiration. Inspirez, soufflez. Vous devez bien sentir la fesse qui a travaillé. Hein. Les ischios aussi. Prenez le temps de bien respirer profondément pour détendre les muscles et envoyer l'oxygène dans les muscles. N'oubliez pas, vendredi, je ne suis pas là. Deux vidéos demain. Il y a deux vidéos. 5h yoga, 18h méditation. Je change. Inspirez, soufflez. Bon, on s'est bien défoulé ce soir. Hein. On s'est bien défoulé, on a bien travaillé. J'espère que vous aussi, vous avez bien travaillé. Sentir que ça tire, que ça brûle. Si ça a brûlé tout à l'heure, ça tire un peu plus. On étire les cuisses. Allez, hop, dans l'autre sens. Voilà, le genou plié devant, on est assis sur le talon. On met la jambe loin derrière, le plus loin possible pour éviter d'être sur l'os du genou, mais sur le début de la cuisse, d'accord, sur le quadriceps. Ensuite, on plie la jambe derrière doucement et on prend son pied. Et oui. Inspirez, soufflez.
On peut avoir des crampes hein, quand on fait ce mouvement-là, il y a souvent des crampes. Donc il faut changer de jambe quand c'est comme ça. Les étirements, c'est important, ça fait du bien en même temps. Vous rallongez vos muscles qui ont été raccourcis. C'est pour garder votre souplesse. Et on va changer de jambe. On relâche. Allez-y doucement. En trois étapes. Hop. Première étape. Voilà. Je prends bien le temps. Deuxième étape. Et la troisième étape. Je prends mon pied. Voilà. C'est pareil, vous êtes obligé de sentir les quadriceps. Hein. Il n'y a pas à tortiller là. Hein. Il faut bien respirer. La souplesse, c'est grâce à la respiration. On relâche. On va étirer derrière les jambes, les ischios. On va se mettre accroupi. Hop, voilà. Largeur du bassin. Quand on est accroupi, on a le dos qui est bien placé, on a les fesses qui sont ressorties. Il suffit simplement après de tendre les jambes en soufflant. Et là, vous êtes bien positionné pour le bas de votre dos. D'accord? On inspire, on relâche la nuque, les épaules, on inspire, on souffle, on relâche. C'est pas grave si vous êtes là. Hein? Ok? Et on étire toute la chaîne postérieure. On soulage ses lombaires. Plus on étire derrière les cuisses, plus vous soulagez les lombaires. Donc c'est important de soulager ses lombaires. Okay? Là, on a les fesses qui sont bien ressorties. On n'a pas le dos rond. On n'a pas le dos rond. D'accord? On relâche la nuque. Pour relâcher la nuque, vous regardez votre nombril. Bon, même si on ne le voit pas. Si vous voulez sentir un petit peu plus derrière les ischios, vous mettez le poids du corps légèrement en avant. Expérimentez. Et on va redescendre. On va étirer la colonne. On s'assoit sur les talons. Si vous avez mal aux genoux, vous serrez les genoux.
pour éviter que vos ménisques souffrent. Sinon, si vous n'avez pas mal au genou, vous écartez les genoux et on s'étire devant et on va étirer la nuque, les épaules, l'ouverture des épaules et la colonne. Voilà. Et on remonte. Voilà. Pour se relever, là, vous faites le contraire. Faites attention à votre dos. Vous faites le contraire. C'est-à-dire que vous restez les jambes pliées. Et tout en gardant les jambes pliées, vous allez dérouler vertèbre par vertèbre en faisant très attention que le plus vite possible, vous puissiez décambrer le bas du dos. Il ne faut pas sortir les fesses. Il faut basculer le bassin. Et serrer les fesses. On décambre. Ok ? Ok ? On ne bouge pas les épaules. Et on remonte la nuque. Et on relâche. Voilà. Voilà, voilà, les amis. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est demain les vacances. Jeudi, donc il y a deux vidéos demain. Hein. Demain, je fais 5 heures le yoga. Et à 17 heures le yoga. Et à 18 heures, je fais la méditation. D'accord ? Coucou Josiane. Alors, Franck, il te faut un projecteur à LED. Un projecteur à LED. Bon, voyez-vous ça. Ben, écoute, je vais réfléchir à ça, Franck. Donc, la semaine prochaine, c'est les vacances scolaires, mais ne vous tracassez pas, je ferai toujours des vidéos, mais pas en sport. Je ne ferai pas de sport, je ferai que des vidéos méditation. Ok ? Demain soir, comme je vous disais, 17h yoga et, 18h méditation. Voilà, parce que vendredi, je ne suis pas là. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Hein, si vous voulez la partager avec plaisir à quelqu'un. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Je n'ai pas encore assez d'abonnés pour faire des vidéos en live sur YouTube. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Je vous fais plein, plein de bisous. Plein de bisous. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous. À demain. Merci d'être là. Merci de m'avoir suivi. Merci. Bisous, bisous.